Puis la vie au village de Freck reprit son cours. Fax accompagna les fous jusqu'en Chine à la rame, mais leur aventure s'arrêta là, car il s'avéra que Fax avait horreur du café. Le cœur brisé, il se retira dans un monastère où la cuisine était excellente. Pendant les périodes de jeûne, il revenait voir ses amis à Fleck. Vic, lui aussi, était très heureux d'être rentré. Il n'était plus obsédé par l'idée de naviguer avec les Vikings. Mais un jour viendrait où il n'aurait pas le choix. Enfin ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on appelle un désastre à 95%.